match concernant le match de Chamalières, le Puy-Foot 43. C'était un vrai match de N2, disputé. Voilà, on connaissait le contexte, le contexte à la fois d'affronter Chamalières, mais aussi le contexte du terrain. Nos joueurs ont su faire la part des choses, être capables de mettre en place notre projet de jeu ainsi que les consignes qui leur avaient été données. Voilà, c'est un match où Chamalières, notamment en première mi-temps, nous est bien rentré dedans et était plus solide dans les duels. Voilà, une équipe difficile à manœuvrer, solide. Nos joueurs, progressivement en deuxième mi-temps, ont été capables de se procurer un peu plus d'occasions, de trouver un peu plus de situations, notamment grâce à l'apport des entrants. Alors, on aurait pu ouvrir le score en début de deuxième mi-temps. Eux aussi, de leur côté, ils auraient pu l'ouvrir à peu près vers la 60e sans l'intervention de notre gardien. Et voilà, et c'est nous qui l'emportons dans une ultime action sur un corner en fin de match qui permet de nous donner la victoire. Les coups de pied arrêtés dans un match, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Voilà, aussi bien défensivement, être capable de repousser les assauts de l'adversaire, mais aussi bien offensivement, où c'est des choses qui peuvent nous permettre de prendre l'avantage. On l'a vu dans ce match, voilà, un match fermé, peu de situations de part et d'autre, et c'est nous qui l'emportons sur un coup de pied arrêté. Alors, on avait déjà eu plusieurs coups de pied arrêtés où on avait pu mettre en difficulté un peu l'adversaire, mais que ça ne nous avait pas permis de prendre l'avantage. Et 91e, voilà, on a cette ultime action qui nous permet de déverrouiller le verrou chamalérois. Voilà, pour ce corner, voilà, ça part déjà d'un bon tireur, où le ballon il est envoyé correctement dans une bonne zone. Voilà, le reste de l'équipe se doit d'occuper toutes les zones qui leur ont été données par les coachs. Et voilà, et après, quand le ballon arrive dans sa zone, à l'image de Mathis Royer, il faut être capable de remporter son duel et de mettre le coup de tête comme il faut, comme il a pu le faire. Et ça laisse aucune chance au gardien et ça permet de repartir avec les 3 points. Cette victoire a été importante pour tout le groupe, à la fois les joueurs, le staff, mais aussi les dirigeants. Voilà, les joueurs, ils continuent de travailler, même si on a eu quelques mauvais résultats en N2. Mais les joueurs n'ont jamais cessé de travailler, donc je suis content aujourd'hui pour eux, car ils sont récompensés. Voilà, sur ce match-là. Alors après, on a 3 matchs importants qui arrivent, mais pour moi, tous les matchs qui suivent sont importants. Chaque match doit nous permettre de pouvoir remporter 3 points pour qu'on se rapproche le plus vite possible de notre objectif. Et concernant le plan de jeu, donc rien de spécial, on continue nous à jouer avec nos valeurs et notre projet de jeu, voilà, que les gens connaissent et arrivent à identifier. Après, il faut être quand même capable de réajuster ce projet de jeu. Voilà, selon l'adversaire, selon le contexte du moment, on doit pouvoir être capable de pouvoir le manœuvrer de façon différente afin de remporter la victoire. Donc ça a été chose faite face à Chamalières. On était capable d'être un peu plus discipliné dans certains faits de jeu et c'est ce qui nous a permis de remporter la victoire. Alors concernant le terrain, oui, on peut dire que ça peut être un terrain qui est décrit comme difficilement praticable. Alors après, on se déplaçait en connaissance de cause. C'était à nous de pouvoir par moment adapter notre projet de jeu afin que ça nous réussisse. Et concernant le terrain et d'éventuelles blessures, non, pas de préparation particulière. Le joueur, il se doit d'être à 100% de ses capacités pour pouvoir être le plus performant possible pendant le match. Après, de notre côté, nous, on a la chance d'avoir un synthétique. Donc, ça nous a permis, sur les 2 dernières séances d'entraînement, d'aller nous entraîner sur cette surface-là afin de préparer au mieux le match et que les joueurs puissent s'y habituer. Même si notre synthétique reste quand même différent de celui de Chamalières. Ce championnat de National 2 et cette poule du Sud, c'est un championnat compliqué. Chaque match n'est pas joué d'avance. Voilà, pour moi, selon moi, tout le monde peut battre tout le monde. C'est à nous de mettre les ingrédients à chaque match pour pouvoir remporter la victoire. Et après, est-ce que ce match est un match de référence? Oui et non. Voilà, dans chaque match, que ce soit une victoire ou une défaite, il y a des choses positives et négatives à retirer. Donc c'est à nous de décortiquer cette performance pour pouvoir rendre chaque match qui suit le plus performant et le plus abouti possible. Dans l'objectif de répondre aux attentes qu'on s'est fixées en début de saison.